Ok. Bon, bienvenue. On va se faire un petit. On va faire un mouvement spécial. On va faire un dash là, parce que c'est bon. Il y en a marre de déconner là. On veut un truc puissant un petit peu là. Donc, dupliquer. On fait encore une nouvelle animation. Je vais l'appeler dash. Celle-là, elle va être vraiment utile pour le coup. Tu sais quoi? Voilà, on va faire comme ça. On va tout inverser. Quand il sera en dash, pour l'instant, pour différencier. Il va être comme ça. Voilà. Comme ça, vénère. Voilà. Ça, c'est notre animation de Dash. Elle est pas belle? Elle est géniale, elle est magnifique. C'est bon, elle est au top. Bon, cette animation, on va pas la boucler. Parce qu'elle doit aller vite. Elle doit pas durer longtemps. Donc, vitesse, je vais mettre 20. Une seule image. Vitesse 20, pas bouclée. Donc ça dure vraiment pas longtemps. Ça dure pas 2 dixièmes de seconde, un truc comme ça suffit largement pour faire un dash. Ok, maintenant on va faire le dash. Alors on retourne dans nos events. Alors remarquez, hein, bon là ça c'est les sous-conditions. Hein. Remarquez, ce qui est bien, c'est d'ajouter un peu des commentaires. On va ajouter des commentaires. Donc on va mettre Basic Move. Ça, c'est le mouvement de base. C'est tout ce qui permet de se déplacer à droite, se déplacer à gauche, sauter, et les quelques rectifications sur les animations, saut, jump, comme on avait vu dans la vidéo précédente. Maintenant, je mets un nouveau commentaire. Je vais Spécial Move Dash. Voilà, le petit Dash. Allez, on va ajouter un événement. Donc là, on va lui dire. Donc quand on appuie sur quel bouton on dash? Allez, on va dire K. On va dire K, parce que le J c'était pour sauter, donc le K ce sera pour dash dans ce super jeu. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe quand on appuie sur K? Ben, le héros, il faut qu'il dash. Tout simplement. Donc il doit dash. On va lui dire, pour qu'il dash, déjà de mettre l'animation dash. L'animation, elle est très importante ici parce que c'est celle qui va faire la fin du mouvement. Comme elle ne dure pas longtemps, comme je vous ai dit. Regarde. Donc là, animation dash, clac. Bon, pour l'instant, la seule chose qui va se passer, c'est qu'il va changer d'animation quand j'appuie sur K. Ah si, il y arrive plus ou moins parce que il y a les autres événements qui le forcent. Il y a les autres événements ici qui le forcent. À se changer d'animation. Quand il bouge pas et qu'il est sur le sol, il se remet en idle. Et quand il n'est pas sur le sol, il se met en jump. Donc ça marche pas si je demande de se mettre en animation dash, ça marche pas bien. Donc ce qu'on va éviter, ce qu'on va faire en fait, c'est que tout ce basic move là, il faut que ça marche uniquement si on n'est pas déjà en dash. Donc je vais dire que tout ça ne peut marcher que si je suis pas en dash. Donc je vais créer tout un événement. Regardez comment je fais pour créer l'événement. Je prends n'importe lequel, j'appuie sur B, ça me donne une condition en dessous. Mais là, je ne veux pas mettre une sous-condition, je veux faire l'inverse, je vais la mettre tout au-dessus. Je la mets là. Et ici, je rappuie sur B. Et là, j'ai ma sous-condition dessous. Je prends tout ça, là, tout ce bloc du Basic Move, et je le mets là. Celle-là, je la vire, parce qu'elle est vide, elle ne sert à rien. Et là, au-dessus, je vais écrire animation. Est-ce qu'il est dans l'animation dash? Non, j'inverse. Tout ça veut dire que tout ça là, tout ça, y compris les sous-conditions là, tout ça ne va marcher que si je ne suis pas dans l'animation dash. Maintenant, voyons, je lance. Tout marche encore bien, c'est bon. Et quand j'appuie sur K, il se met dans l'animation dash et il n'y a plus aucun mouvement qui marche. C'est exactement ce qu'on veut, parce que pendant le dash, on ne veut pas que notre perso il puisse tourner, ou on puisse sauter, ou faire je ne sais quoi d'autre pendant le dash. Le dash, c'est le dash. Maintenant, on va faire que ça se termine. Et on va faire déjà que ça dash aussi. Donc, déjà, première chose qu'on va faire, voilà, ça met l'animation dash. On va lui dire de mettre une certaine vitesse. Donc, on va lui dire, je sais pas moi, de mettre. Donc, vecteur, c'est la vitesse. On va dire, allez, mets le vecteur X à 400. Allez, go. Voir ce que ça fait. Je suis là. Il avance un peu et il re-ralentit. Vous remarquez. Hein.
4 séances, pas très rapide, hein. Je vais essayer de lui mettre 2000, allez. 2000, go, vas-y. Il fait pareil. Attends, je vais lui mettre plus que ça, tu vas voir. Je vais lui mettre que des 9. Allez, vas-y, comme ça, là. Allez, bombarde. Dash, dash, je veux que tu dash de fou, moi. Putain, ça marche pas. Pourquoi? Technique pour savoir pourquoi. Tu vas dans le... Tu fais le petit, la petite flèche, là, et tu vas sur le mode debug. Là, tu peux regarder un petit peu ce qui se passe. Voyons mon perso, mon héros, il est là. Là, j'ai son vecteur X. Quand j'appuie sur K, j'ai pas le temps de voir. Alors, je mets comme ça. Ouais, ça marche quand ça veut, cette merde. Bon, bref. Si, je... Voilà. Tac, je me pose. Je sais pas si vous avez le temps de voir, mais le vecteur, il va pas très beau. Hein. Mais là, il y a un truc, là. Max speed. Vitesse max, elle est de 180. Donc, tu peux mettre 9000, 9999. De toute façon, ça ira jamais au-dessus de 900, de 180. C'est ça, le problème. Donc, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, d'abord? On va lui dire héros. Et là, on va lui dire, mets ta vitesse max à, je sais pas, 400. Et donc, le vecteur, tu le mets à 400. Voyons si ça va marcher maintenant. Vecteur à 400, vitesse max 400. On va voir. On essaye. Ah, c'est déjà mieux, hein. Là, ça marche. Et franchement, je pensais que ça marcherait pas. Parce que, normalement, il vaut mieux mettre la vitesse max d'abord, pour être sûr. Parce que l'ordre, il compte d'habitude. Mais bon, je vois que ça marche quand même. Donc, ok, ça, c'est bien. Là, j'ai un dash qui est pas mal. Je peux changer plein d'autres trucs du mouvement. Voyons si je... Bon, évidemment, hein, comme on avait vu. Hein. Ouais, mais après, on peut plus rien faire d'autre que de dasher. Donc déjà, on va lui dire que quand l'animation se termine, c'est fini, quoi. Là, on va lui dire, à la fin de l'animation... Merde, c'est pas ça. J'ai mis n'importe quelle animation finie. Unfinished. À la fin, lorsque l'animation finit, ou je sais plus quoi en français. Dash. Quand dash est terminé... On va lui dire de se remettre dans l'animation idle, par exemple. Donc, voyons, là. Voilà, là c'est bon. Par contre, regarde, le problème, c'est ça. La vitesse max, là, qu'on avait fait à 400, elle est restée. Donc là, on va voir dans le mode debug, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pardon, mode... Mais non, mode debug. Ta gueule. Allez, mode debug, là, hop. Donc là, je vois ma vitesse max ici, elle est de 180. Donc 180, ça donne ça, ça va pas très très vite, ça va. Maintenant, quand je fais un dash, ben, la vitesse max ici, elle est restée à 400. Je lui ai pas dit qu'à la fin, il doit se remettre à sa vitesse où il était au début, à 180. Donc, nos paramètres, on les a là, hein. On a 180, on a machin, c'est les paramètres qu'on a choisis au départ. Hein. Donc, à chaque fois, à la fin d'un mouvement spécial, il faut lui redonner les mêmes paramètres. Donc ici, je vais aussi lui dire... Cette fois, tu vas me remettre la vitesse max à 180. Comme ça, quand je dash, là, j'ai le saut, j'ai lâché tout, ça va. Voilà. Ah, par contre, de l'autre côté, il fait du mauvais côté. Voilà, bon. On pourrait faire un dash qui dure un peu plus longtemps, mais un peu plus vite. On va lui faire un espèce de dash bien vénère, tu vois. Je vais lui mettre 800. 800. Ah ouais, ça c'est bon, ça. Ça, j'adore ça. C'est trop stylé. Après, on aurait pu faire un dash qui dure plus longtemps, qui va moins vite, en changeant la vitesse de l'animation. Si l'animation de dash, ici, je mets vitesse seulement 5, il va aller beaucoup plus loin. Elle va durer 3 ou 4 heures plus longtemps. Voilà, tu vois, là tu vois, un dash fait presque tout l'écran. Bon, je trouve ça trop bon, je vais le remettre comme c'était. J'aime bien l'espèce de dash un peu instantané, là. Un peu instantané à la Fury, là, c'est stylé, là, comme ça, là. Bon, c'est un début de dash, hein, c'est pas le top encore, attends. Il y a plusieurs petits défauts. Je sais pas si vous avez remarqué, si je suis en train de retomber, il retombe en dash, il va pas parfaitement droit. Pareil, si je suis en train de sauter, il va dasher un peu vers le haut. On peut le garder, hein, si vous trouvez que c'est bien, on peut le garder. Par contre, ce qu'il faut surtout pas garder, c'est ça. Quand je vais vers l'autre côté, là, il dash en arrière, c'est pourri, quoi. Donc là, on va quand même lui dire, il faut qu'il dash du bon côté. Donc là, pareil, sous condition, il y a deux possibilités. Soit il est tourné vers la droite, soit il est tourné vers la gauche. On a déjà fait qu'il se tourne. On a fait qu'il se tourne où? Ici, not mirrored, mirrored. Donc soit il est mirrored, soit il est not mirrored. Donc, quand il est mirrored, quand il est... on regarde. Mirrored,
C'est quelque part. Apparence, normalement c'est par là. Is flip, is mirrored. On n'oublie pas, en français, c'est pas pareil, c'est symétrie horizontale, ça s'appelle. Donc s'il est mirrored, s'il est mirrored, c'est-à-dire s'il regarde vers la gauche. S'il regarde vers la gauche. Donc on va dire, donc s'il n'est pas mirrored. Donc s'il regarde bien vers la droite. Là, on lui met le vecteur x à 800. Par contre, je rappuie en haut, là, ici. Je remets une sous-condition au même endroit. Attention, faut pas faire ça, hein. Pas mettre une autre condition en dessous de celle-là. Faut bien une sous-condition qui est différente de celle-là. Et là, on va dire, pareil, mirrored. Voilà, cette fois, s'il n'est pas. Et là, j'ajoute, j'appuie sur C. Système. J'aurais pu sinon faire clic droit, add, ajouter, ajouter une condition. Je vais dans système et je cherche un truc qui s'appelle else. Ou sinon. Enfin, ça s'appelle sinon. Et le else, il faut le mettre là, au-dessus. Ça, c'est pour bien dire qu'il y a deux possibilités différentes. Soit ça sera ça, soit ça sera ça. Soit il est mirrored, soit il n'est pas mirrored. Soit il regarde à la droite, soit il regarde à la gauche. Donc s'il regarde vers la gauche, cette fois, le vecteur, on le met à moins 800. Là, normalement, on doit être bon. Là, là, voilà. Et puis là, chaque fois de côté. Bon, quand on passe contre le mur, c'est un peu con, mais c'est pas grave. Alors là, on a un super dash. Alors par contre, ouais, comme on avait vu, s'il est en train de tomber, il va aller. S'il est en train de monter, il va dasher un peu vers le haut. Si on veut qu'il aille tout droit, parfaitement tout droit, on va lui ajouter encore un truc. On va lui dire déjà, mets ton vecteur y à 0. C'est-à-dire ta vitesse y, tu vas la mettre à 0 dans tous les cas. Et aussi, on va lui dire. On peut jouer avec la gravité, je pense que ça devrait marcher. Si on met la gravité en 0, normalement ça va. Mais n'oubliez pas, à la fin du mouvement, il faut remettre la gravité comme elle était. La gravité, voyons, là on l'a mis à combien? La gravité, on l'a mis ici à 1500. Donc on va le remettre ici. La gravité en 1500 pour qu'il regagne le même truc. Si j'oublie ça, j'adore les soucis. Voilà. Là, peu importe si je laisse appuyer ou pas au machin. Par contre, t'as remarqué? C'était quand même des trucs bizarres quand. Ah ouais. Si je suis en train de monter, en fait, il la retient dans sa tête, la vitesse. C'est marrant ça. Eh, parce que j'ai mis vecteur en 0, mais il arrive quand même à continuer le saut après. Donc ce que je peux faire, c'est qu'à la fin du mouvement, je lui remets aussi le vecteur y en 0. Comme ça, même si je suis en train de monter, il pourra pas faire ce qu'il faisait là. Voilà, j'ai beau laisser le bouton J appuyer à fond. Voilà, il pourra pas. Par contre, ce que je peux faire, le problème, c'est que je peux dash 50 000 fois pendant le saut. Ça, on veut pas. À la limite, au sol, ça va. Et encore, c'est bien d'ajouter un petit peu de dash même au sol. Mais dans le saut, en général, on n'a pas envie que je puisse dash à l'infini. Donc, comment on va faire ça pour l'empêcher de dash tout le temps? Il faut lui expliquer quand t'as dash une fois c'est pas deux. Et une fois que tu as touché le sol, là tu auras droit à nouveau de dash. Donc comment on va lui expliquer ça? On va lui ajouter une variable ici. Il y a plusieurs types de variables. On va prendre ce qu'on appelle un booléen, et on va l'appeler ce booléen can dash. Ça. Le booléen, c'est une variable qui a deux possibilités. Soit il est vrai, soit il est faux. Pour l'instant, là, il est en false. Il est faux. On va dire qu'il ne peut dash que si celui-là est vrai. Quand on appuie là, il est vrai. Et quand il va dash, il va se mettre faux. Et quand il va atterrir sur le sol, il va se remettre vrai. Donc, déjà, à quel moment il doit être vrai? Déjà, quand l'animation. On va lui dire. Attends, comment on va faire ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on le met vrai. Et on va lui dire, tu ne peux dash. On va lui ajouter une condition. Il faut que ton booléen compare à isBoolean. Compare le booléen can dash. Voilà. S'il est en can dash. Et là, on lui dit, mettre le booléen can dash false. Là, logiquement, je pourrais dash qu'une seule fois. J'ai dash une fois. Ouais, parce qu'il est devenu fou. On regarde dans le debug ce qui se passe.
Mon boolean kandash, il est ici, là. 1. 1, ça veut dire vrai. Il est 1 ou 0. C'est une variable qui peut être que 1 ou 0. Si je dash une fois, hop, il s'est mis en 0. Il faut lui dire de se remettre en 1 pour avoir le droit de dasher à nouveau. Donc, ce qu'on va faire, on peut faire un truc, par exemple, très simple. On peut lui dire que quand il est au sol, on met le boolean en vrai. Tout simplement. C'est une possibilité. Donc ça veut dire que là, au sol, je pourrais dash comme un pourcent sans arrêt. Alors que pour sol, ça marchera qu'une seule fois. Voilà, c'est bien pour l'instant, quoi. On aurait pu aussi ajouter un cooldown pour qu'en bas, il ne puisse pas dash sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ah, et puis notre, c'est quoi? Vas-y, on va le faire direct. Allez, go. On va mettre un cooldown. Donc, un cooldown, c'est quoi? C'est un petit compteur, c'est un petit minuteur, un timer. Donc, on va lui ajouter un nouveau comportement qui s'appelle timer ou minuteur en français. Voilà. Ça, c'est un truc qui sert à lancer clic, clic.